Salut, c'est Arlix, Overlord Raising Hell. Alors ici, enfin la dernière fois on s'est quitté dans le terrier Alphelin, la deuxième partie. Et je vais le faire dans la foulée, donc là je filme dans la foulée. Hop, donc ça va être la grosse baston maintenant. Bon, faut pas trop jouer au con ici. D'abord libérer des rats. Hop, voilà. Voilà. Comme ça les rats. Voilà, parfait. Ouais. Non, on ne sait pas passer par là. C'est bien dommage. Toum, toum, toum. Ça c'est dommage. Bon, c'est rien. On va envoyer. Ah ben, ils viennent à moi. Parfait. Ah merde, j'avais pas fait attention qu'en face il y avait un truc activé. Vous voyez de l'arbre avec cassé ça, voilà parfait. Donc ça c'est fait. Donc là il y a encore des rats. On va essayer d'aller les libérer. Non, on va libérer les rats, j'ai dit. On va d'autres nuques. Libérer ce saloperie là. Voilà. Ouais non, il ne les libère pas. Enfin, il le tue, ouais d'accord. Ouais, pourquoi pas. C'est ça que j'avais prévu, mais c'est rien. Ah, mais Lara vient de m'attaquer, moi, donc. Hop. Voilà, parfait. Bon, allez. Allez, tout casser, tout récupérer. Donc là, il y a des tonneaux qui n'ont pas été cherchés. Hop. On y va, on y va, on y va. Voilà, parfait. Bon bien, donc cette partie ici est faite. Bon là on va pas y aller tout de suite parce que j'ai peur que ceux des côtés arrivent aussi. Donc on va nettoyer les deux extrémités en premier. Mais d'abord faut faire les terriers. Hop, les terriers j'ai dit. Ouais c'est pas ce terrier là que je voulais mais enfin. Voilà celui-là, parfait. Donc c'est déjà deux terriers cassés. Par contre les autres, deux autres terriers sont activés. Quelques larves là-haut, hop, là les paniers, là il y a encore quelques paniers, hop, voilà, bon, il va chercher l'or, parfait. Alors on va s'occuper des terriers ici, hop, ouais. Choper moi, ouais. Éclater tout, voilà, parfait. Celui-là il est tout seul là. Voilà. Bien. Bon maintenant. Maintenant on va aller foutre le boxon en bas. Oh tant que maintenant ça se passe bien. Ça se passe même très très bien. On va faire picoler le larbin. Qu'il soit un petit peu plus fort pour le combat à venir. Voilà, parfait. Hop. On les rappelle. Et là, on va pas chipoter, on va foncer dans le tas. Hop, allez, choper-les. Ouais, je n'aurais perdu aucun arbre. Parfait. C'est parfait. On va tout casser. La fête est finie. Allez, hop. Ah, il en reste encore deux ici. Donc voilà. Alors ici, qu'y a-t-il d'autre? Hop, hop, hop. Oui, ici, il n'y a plus rien. Bon, on va pouvoir continuer. Donc, 4 larbins pour tourner la roue. Hop.
Je récupère l'or. Bon, le reste, il faut picoler ce qui reste. Allez, hop. Voilà. Alors, cette porte-là, elle ne s'ouvrira pas comme ça. Et, ah bah derrière, on dirait que c'est les sacs de bouffe que je dois récupérer. Donc, je dois refaire le tour. Oh, oui. Là, un peu plus gros, hein. Ouais, et plus résistant que les autres. Bon, un coffre récupéré. Un cuisinier alphelin. Là, ici, il y a des rats. On voyait les rats. En premier lieu, voilà. Quand ils seront 3, on va encore envoyer des rats. Voilà, ça les occupera pour un petit temps. On va aller par là. Ouais, oui, ouais. J'ai pas besoin de récupérer de mana pour le moment. Allez, on éclate tout ici. Hop. Voilà. Bon. Non, qu'est-ce qu'ils font? Non, revenez, allez. Ah oui, il y avait encore d'un. Ok. On va choper celui-là en premier. Voilà, allez, revenez vite. Revenez. Ouf, j'ai laissé au moins. Alors, ouf, 4 qui sont. Ils étaient. Pas 3. Bon, on va leur donner un coup de masque là. Ça dégénère. Ouais, j'ai perdu assez bien de larbins là. Perdu 3 larbins au final. Ouais. Bon, c'est rien. C'est rien. De toute façon, là, j'en ai encore 203 stock, donc. Allez, mettre s'il crève, je m'en fous un petit peu. J'avais pas fait attention qu'il reste encore des ralins. Bien dommage. Autrement, j'aurais envoyé les rats à la place de mes larbins. Ouais. Tant pis. Voilà, beau massacre. Voilà les vivres. Utilisez vos larbins pour les déplacer, maître. Voilà, en haut, il récupère. Hop, ici, on tourne. Voilà. Donc ça se fera en compte qui est accompli. Abondance est sauvée. Merci, Seigneur. Si vous placiez les vivres ici, Seigneur, nous pourrions les emmener à Abondance. Ben, ça vous ferait plaisir, hein. Ces vivres pourraient vous apporter une grande dose de vitalité, Seigneur. Ah, bon. Vous pouvez leur laisser les vivres. Vous n'avez qu'à approcher de la plateforme pour que vos larbins y déposent la nourriture. Oh, si vous vous sentez particulièrement maléfique, pourquoi ne pas tout garder? Dur choix. Si nous nous débarrassons des témoins. Dur choix. Soit garder les vivres et faire le mal, et tuer les témoins, soit les donner et jouer le bien. Dur choix.
Ah, que faire. J'hésite là. Non, je déconne. On joue l'Overlord. L'Overlord, il est maléfique. Et oh, pas déconner. Allez, massacrer le. Oh, non, t'inquiète pas, tu vas pas mourir de faim. Vous aurez tous éradiqué avant. Voilà. Parfait. Et hop. Et à moi les vivres. À moi la vitalité. Le Warlord est quand même plus important que quelques paysans. Hein. Bon, il va aller par où? Avec ça. Tum, tum, tum. Là, par là. Non, pas là. Où est-ce qu'ils vont? Ah oui, ici. Voilà. Par contre, je vois pas de changement. Bon. Je ne vois pas que j'ai plus de vitalité. Par ici, on avait tout fait, alors. Là, il me semble. Ouais. Donc, on va retourner. Ouais, c'est fait. Ouais, tout est plié ici. On va reprendre vue des quêtes. Ouais, crustez-vous à la fête d'orphelin. Ouais, ben voilà. Au prochain truc, on va aller à la fête des orphelins aussi. Hein. Il faudra trouver les rouges aussi. Ça tombe assez, on les trouvera à la fête. On va prendre un raccourci, donc on va prendre. On va retourner à la tour. Hop. Retour à la tour. Voilà. Ah oui, c'est vrai. On va aller voir nos esclaves. Donc j'y pense. Un Overlord a toujours besoin de serviteurs. Allez, dépêchez-vous, il y a du travail. C'est incroyable comme cette tour prend la poussière. Et si une d'entre vous, demoiselle, me donnait du raisin à manger. Salut. Ouais, ça ne lui fait ni chaud ni froid que je lui mette un coup de pain. Ah. Des serviteurs. Bien. Ouais, mais enfin bon, allez, si elle reste là sans rien faire. Quand lui me casse toujours les wear, le bouffon. Là. Tais-toi. Bon, bien. Bien. Bon, maintenant. Non, résidence à la fin d'un GT. Un 12 collé. Voilà, une porte qui s'ouvre. Enfin. Melvin semble avoir grandi sur tous les plans. Ouf. C'est dommage qu'il ait meilleur goût pour la nourriture que pour la musique. Ça, c'est un gros morceau, hein. C'est un gros morceau. Hop. Donc on va enfin pouvoir aller à la fête orpheline. On va aller foutre le bordel. On part où est-ce? On se met par ici, ouais. Quoique, ouais. On va se par ici. Ouais. Je ne suis pas trompé. Les items ont réapparu, les maisons sont réparées, hop.
pour des portails. Hop. Et hop, voilà, on ouvre. Parfait. On dirait qu'une fête se prépare par ici. Dépêchons-nous, Seigneur. Il ne faut pas la manquer. Non, on va pas la manquer, ta fête, t'inquiète pas. Alors, pour la beauté du geste, hop. M'éclater cette baraque. Ou aller éclater l'autre. Voilà, parfait. Non, j'ai dit casser la maison, pas seulement la barrière. Mais non, pas les pots de fleurs, la maison, maison. Ici. Casser la maison, le champ de citrouille. Voilà, parfait. Pillon, pillon. Ah, mon or est en train de bien monter. 3182. Pas fort vite. Ah, sont fascinés. C'est vrai que la beauté du geste est particulièrement envoûtante. Ouais. Peut-être que nous devrions rester encore un peu avec cette douce mélodie. Oh, mes pieds, maîtres. Je ne peux plus les contrôler. Par contre, je n'arrive plus à contrôler l'arbre. Arrête de... Merde. Ouais, ils vont tous les buter. Ils vont tous buter les larmes. Ouais, voilà. Meurent souvent trop précocement. Ça lui suffira ouais. Dans nos cœurs. Ils en ont profité que mes larmes étaient ensorcelées pour les éliminer. Un petit peu embêtant ça. Maman, il y a un portail pas loin. Maintenant, tu es trois lâchements. C'est rien, c'est rien. On va aller reprendre des nouveaux. Hop, voilà. Et voilà. On va aller se venger. Ah, il faut moins le malin. C'est une fois que les larbins sont bien réveillés, il faut moins le malin. Bon, c'est quand même beaucoup là. On a tiré petit à petit. Voilà. Voilà, parfait. Les larbins les gèrent bien. Voilà. Donc ce qui veut dire, s'ils auraient apparu comme ça, c'est qu'il y a peut-être des terriers actifs. Ouais, en effet, il n'y a pas de lumière au-dessus. Ouais. Ouais, ils sont même bien actifs là. Là au-dessus, il y a des lanceurs de pierre. Où est-ce qu'on va pour leur faire leur fête? Merde, il y en a encore. Saloperie.
Ah voilà, je vais désactiver enfin. Alors ceux-là, ah voilà, le larbin va y aller. Et croyez-vous. Voilà. On va y casser les autres terriers actifs. Donc ici c'est... Il va falloir réparer cette roue pour poursuivre ce gros lard. Donc on va aller par là. Hop. Voilà. Donc le terrier actif est ici. Ouais, mais attendez. Oh, du calme, du calme, du calme. Du calme, du calme, du calme, du calme. Hop. Voilà. Hop. D'abord aller par ici. Merde, j'ai encore perdu de l'armée. Bon ben ici on n'ira pas fort fort loin. Oh, des rats. Vous n'êtes pas ignifugé, maître. Faites-vous aider de larbins rouges. Seule leur peau absorbe les... Ah mais je n'en ai pas des larbins rouges. Oh, il y a plein de rats encore. Voilà. Donc là, quand j'aurai les rouges, je reviendrai par ici. Par contre, il y a ça qui m'intéresse. Hop, le bâton. Pour qu'on y ait, hop, on récupère ceux qu'on a perdus. Voilà. Et on va aller casser ici au-dessus. Voilà, quelques larbèdes. Allez, au moins un larbède à la maison, allez. Pas chier. Ah non, ils m'ont encore buté un larbède, saloperie. Saloperie de chez saloperie de chez saloperie. Deux larbins. Allez, encore deux larbins au moins. Ils m'en veulent. Allez. Ils m'ont tué sec l'arbelle. Ouais, commence à faire un petit peu beaucoup. Bon, c'est vrai. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Ce n'est rien. On va continuer comme ça. Allez, hop, allez, casser. Putain, il pop vite. Hein. Il pop même très vite. Hop, on éclate là. Il éclate là, je lui donne un coup de main. Voilà. Allez, hop. Voilà, encore un bâton, bien. Ouais, et il va pas y aller tout seul. Non, reviens ici toi. Hop, lâche le bâton, saloperie. Voilà. Une potion de soin. C'est bien utile là. Hop, prends le bâton. Et on y va. Ils sont combien à 4, 3. Bon, voilà. C'est raisonnable. Voilà, c'était le dernier bâton. Ouais, je n'ai plus que 10 larbins. Et j'en ai pas assez pour tourner la roue. Et j'ai encore oublié d'éclater un terrier. Merde. Donc il y a Terry qui est toujours actif. Bah ouais, celui-là. Totalement. On est point cassé. Merde. Voilà. Ah, j'ai oublié un coffre, tu vois. Oh. Une potion de soin être l'or, parfait.
Donc il me faut absolument 12 larbins. Et on retourne en arrière chercher des larbins. Dommage qu'il n'y a pas un puits un peu plus près. Ou alors il y en avait un, je l'ai pas vu. Ça c'est possible aussi. Bon, j'aurais déjà perdu quelques larbins. Évidemment, je t'ai joué un petit peu pour un. En même temps, j'ai pas trop le choix. Puis j'aime bien de jouer à un bourrin, c'est tout. Ok, je regardais si tous les terriers étaient cassés. Bien, voilà. Les flambes peuvent apprécier. Voilà, bah, on était sûr que j'allais encore en perdre ici. Voilà, c'est rien. C'est rien, c'est rien, c'est rien. On a causé de Malvin. La cuisine de Malvin. Il y a encore une sauvegarde automatique. Voilà. Donc ce qui veut dire que l'on va s'arrêter ici. Tout ça pour un héros Alphelin bouffi. On pourrait nourrir une centaine de larbes. Les roses. Ces Alphelins doivent les utiliser pour allumer leur fourneau. Cet enroux doit les aider à contrôler les flammes. Ouais, ok. Eh ben on va s'arrêter ici assez. Comme il y a eu la sauvegarde automatique à ce point-ci. Donc on reprendra ici. Alors ici il y a des boutons, ouais. Ah, j'ai pour. D'abord. Hop, voilà. Hop, je reprends le larbin qui m'enroque. Voilà. Bon, tant qu'on y allait, on va éclater ici un petit peu. Voilà. Un petit peu cassé ici aussi. Un peu là, voilà. Un petit peu ici, même beaucoup. Voilà, ici. C'est parfait tout ça. Bon, tant qu'on y est, on va tout éclater ici aussi. Voilà, là, 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 là. Flan des cuisiniers. Ils ont repéré mes larbins, non. Ça va faire des cuisiniers grillés. Voilà. Grillés dans sa propre cuisine. C'est quelque chose de maléfiquement poétique. Encore du rôti pour Melvin. Un bon Alphelin est un Alphelin cuit à point. Bon, on éclate encore un petit peu ici. Hop. On ouvre ici. Oui, je sais, j'ai dit que j'allais arrêter. Voilà. Voilà, 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 voilà. Tant qu'on y est.
Ah, moi, ce niveau aussi ne devrait plus durer trop longtemps. Voilà. Ah ben, Flamelville, donc on va le buter. Melville n'est plus petit maintenant. Ah, t'as un petit peu bouffi là. Hein. Bon, ok, allez. Ouf. Ouf, ouais, d'accord. Viens. Viens là. Non. Ne bouge pas. Allez. Ton cas. C'est pas possible, ça. Mangez-moi. Oui, et on est en train de lui maquer dessus et il pense qu'à bouffer. Ah, d'accord. Broyer. Oh. Et ouais. Manger. Oui, oui. Ouh, ça va faire mal, ça. Ouais. Ah, chopez-le. Chopez-le, allez. Ouais. Il sera bientôt out. Magnifique. C'est pris le mur. Allez, continue à choper, il est coincé. Oh ben voilà. Il n'est pas compliqué tout compte fait. Il n'est pas compliqué du tout. Comme un ballon. Bon, ça a été rapide. Ça c'est dégueulasse. Hein. Ah. Il s'accumule chez les créatures aux dispositions particulièrement maléfiques. Attends, je crois que c'est un héros. Maintenant que le cas de Melvin est réglé, vous devriez chercher nos amis chauffeurs. Donc les rouges. Bon, ça va, j'ai pas encore perdu trop de larbin, il m'en reste 11. Ouais. Carabée, ok, hop, voilà, hop, ah, sauvegarde automatique, ce qui veut tout simplement dire, que, on va reprendre des larbins, Ouais, allez, ça va, c'est bon. Et qu'on va continuer encore un petit peu. Jusqu'à ce qu'on récupère la larme, la larbin rouge. Ça, ça nous permettra d'avancer un petit peu aussi dans le jeu. Des rouges, prenez soin d'eux, ils prendront soin de vous, comme une grande famille maléfique. Comme je le disais, les rouges sont immunisés contre le feu. Et ils peuvent également attaquer à distance. Oh bien. Invoquez des rouges, seigneur. Si vous avez atteint la taille maximale pour votre horde avec les bruns, vous pouvez les échanger à la porte. Vous devriez vous entraîner, seigneur. Sélectionnez vos rouges. Non, j'ai pas envie. Maintenant, envoyez vos rouges dans cette barrière de feu. Hop, voilà. Parfait. C'est de la vitalité rouge, seigneur. Vous pourrez ainsi invoquer d'autres rouges. C'est l'incubateur rouge, seigneur. Invoquez suffisamment de rouge pour l'amener au point de passage. Ouais. Oh
Ouais, d'accord, mais j'ai pas assez de vitalité rouge. Ce qu'il me semble. Je peux pas envoyer Abra. Voilà, c'est parfait. Voilà. Voilà, j'aurai assez de vitalité maintenant. Hop, allez. Choper encore ça. Prenez la vitalité. Voilà, parfait. Allez, on a encore 3 là. Et là non, je voulais pas les prendre. Ah merde. Ouais, ça va, d'accord. Rien dit. Je ne le ferai plus. Des bras gris à point. Et voilà. Donc, 10 rouges, il me faut 10 rouges pour déplacer l'incubateur des rouges. Hop, voilà. Allez. Maintenant, sélectionne les bras. Hop. On éclate ça. Donc là au-dessous, il y a encore du monde. Enfin, plus loin. Mais par ici, je ne saurais pas passer. Non. Donc, je vais... Non, voici entre l'occasion rêvée de tester vos rouges sur ces maudits alphelins. Rappelez vos rouges de l'incubateur rouge et lancez la fréture et le massacre, Seigneur. Voilà, on va voir ce qui va, les rouges. Ah, marrant. C'est un beau massacre. Voilà. Parfait. Ça a été rapide. Continuer. Tant qu'on y est, on va ramasser ce qu'il y a ici en dessous. Hop. Là dans le fond. Un choper d'incubateur. Hop. Alors ici, cuisinier. Là alors, hop, voilà. Bon, sélectionner la bras. Et puis je descends, non. Oh, ça m'embête un petit peu par contre. Maintenant qu'ils reviennent les cuisiniers, ah, mais il en reste encore un. Vos bras à la roue du feu. Ah, mais il en reste encore un, le cuisinier. Bon, ça ira. Allez, brûle. Voilà, c'est bien. Et brûler l'autre, c'est bien. On voit qu'il vient de tuer mes bras. Parfait, parfait. Ça commence déjà à devenir un tout petit peu plus tactique. Voilà.
récupérer la vitalité. Hop, bonne vitalité là. Voilà. Laissez-moi d'abord passer. Et voilà. On a récupéré l'incubateur rouge. Donc maintenant, on retourne dans la tour. Et ouais. Bon, on aura pas mal avancé ce coup-ci. Seigneur, une charge d'énergie maléfique semble émaner des douces collines. Vos paysans y sont irrémédiablement attirés. Salut ! Ah, nouvelle quête. Mais ça sera pour la prochaine fois. Kidnappeur de serviteurs ! Bon, toi d'abord, tais-toi. Parce que tu vas encore. Tais-toi. On se tait. Grand Overlord, essaye de parler. Voilà, on va descendre plus bas. On sera un petit peu plus tranquille. Au moins, le bouffon ne nous suit pas et ne nous casse pas les oreilles. Bon, ben voilà. Donc, on a. Donc, dans la vidéo précédente, on a eu des esclaves. On a récupéré un objet qui nous permet d'invoquer Kélas Larbin. Donc, ça, c'est déjà pas mal. On a fait quoi encore? On a été foutre le bordel un peu partout. On a tué Melvin. On a récupéré l'incubateur rouge. Donc prochaine fois, on pourra récupérer le fourneau alors. Ouais, on va pouvoir récupérer le fourneau assez facilement, vu qu'il est près d'abondance. Alors il faudra qu'on découvre d'où vient l'énergie maléfique qui émane des 12 collines. Puis aller chez les elfes, trouver une maîtresse pour la tour. Ouais, découvrir qui est cette mystérieuse femme, ouais. Et aller au château d'abondance. Donc il nous reste encore pas mal de trucs à faire, et en plus les quêtes se rajoutent au fur et à mesure qu'on en accomplit. Donc il faut encore débloquer les larbins verts et les larbins bleus. Donc voilà, ça sera pour la prochaine fois. On verra ce qu'on pourra faire exactement. Eh ben, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un petit commentaire, un pouce vert, ça fait toujours plaisir. C'était Tarlik. Ciao, ciao.